Rotterdam, Kingsofram. Today, we are talking about Rotterdam. It's fine now. Alors, moi, la vie, ce qui s'est passé à Paris, là, il y a quelques jours, la vidéo sort un petit peu en retard. L'incendie de Rotterdam. Oh, mais quelle tristesse, mais quelle chose affreuse. J'en ai rien à branler. J'en ai certainement rien à foutre de Rotterdam. Pour ceux ça intéresse, allez voir ce qui s'est passé en Scandinavie, ce que les chrétiens ont fait en Scandinavie entre 955 et 1066. Si vous voulez aller vérifier par vous-même, vous allez le voir. Alors, est-ce que c'est un attentat? Est-ce que c'est un accident? Ça, on s'en fout. Moi, là où je veux faire cette vidéo, c'est... Alors, qu'on soit chrétien ou pas, ça change rien. Il y a un symbole, bon, peut-être, voilà. Mais par contre, ça fait des semaines et des semaines, il y a les gilets jaunes, que le peuple, il rame, parce que le pouvoir d'achat est trop faible. Toutes les choses que les gilets jaunes revendiquent, qui est passé à la trappe, parce qu'au final, il y a eu tellement d'émeutes, tellement de choses. Aujourd'hui, les gens voient les gilets jaunes comme des... Bah, comme un phénomène de mode, en fait. Et là où je veux en venir avec cette vidéo, c'est tout simplement... Il y a des énormément de dons qui ont été faits pour Notre-Dame, pour la rénover, pour la réparer. Putain, mais c'est quoi ce délire? Le pouvoir d'achat n'augmente pas un rond. Il y a des enfants qui rêvent, la famille dans le monde. Et il y a des connards, pardon, il y a des connards qui ils donnent des millions pour réparer un... Alors, certes, un monument historique, ou je sais pas. Mais putain, il y a plus important. Il y a plus important que ça. Il y a des gilets jaunes qui rament depuis des semaines, et là, on nous sort un truc, il y a des dons, machin. En tout cas, mais il faut savoir ce que vous voulez. En plus, ce machin, il sert à quoi? À rien. À rien. Ouais, c'est vrai, je comprends. La religion, pour moi, est un grand, grand problème. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. C'est-à-dire, j'ai pas vraiment de... Le sadisme, pour moi, est une... Je vais pas le dire, peut-être des gens qui regardent cette vidéo blessés, mais moi, chacun peut avoir la religion qu'il veut. C'est le message qui des fois est hypocrite. Donc voilà, parce que je trouve ça complètement la religion est personnelle. Et on peut avoir n'importe quelle religion du moment qu'on le garde personnel et du moment où on ne fait pas chier les autres avec un lieu de culte pour faire de culte, pour faire ses prières, ses machins, certes. Mais c'est comme tout. Les véganes ou pas véganes, les gens qui ont la barbe, les gens qui n'ont pas de barbe. Toutes ces choses-là, les gens, ils veulent décider pour vous-même, pour nous-mêmes, ce qui est mieux d'avoir à faire. Et la religion, certains messages, certains dogmes de la religion vous fait peur, on est réellement, et vous incite à être totalement autrement. Donc voilà, moi j'ai ce problème avec la religion. Mais le plus problématique avec Notre-Dame, c'est que il y a des gens qui rêvent de dame, il y a des gens qui rêvent la dame, il y a des gens qui meurent. Il y a eu des émeutes pas possibles à Paris. Il y a eu un attentat à Strasbourg au mois de novembre, décembre, marché de Noël. Je vis sur Strasbourg. Voilà. C'est complètement aberrant ce qui se passe. Et il y a des gens qui donnent encore des dons. Des gens qui donnent
Je trouve ça... Vous allez me dire, ouais, mais ils donnent pour récupérer un symbole, un monument. Ouais. Mais oui, il va pas faire manger les gamins qui crèvent de faim. Ça va rien changer. Strictement rien. Il leur a ramé totalement, ils auraient dit, bon, on sait. Ouais. Et vous savez combien que ça coûte, un machin comme ça? La cathédrale de Strasbourg, ça fait des années qu'il y a une rénovation. Mais c'est un mat, ce machin. Et ça sert à quoi? À rien. L'église, elle est pauvre. Voilà, bon, j'arrête là avec cette vidéo. Je vais aller un peu plus loin, parce que là, je vais en venir. Mais, en tout cas, voilà, il faut arrêter d'être hypnotisé par les médias, par le connard, là, qui... Enfin, bref. Donc, il faut... Voilà. C'est aberrant. Et j'en ai parlé parce que c'est exactement ce pourquoi j'ai fait la chaîne au début aussi, pour parler de certaines choses comme ça qui sont complètement aberrants. Et je vais encore parler d'un truc. C'est comme les joueurs de foot, ce qu'ils gagnent. Les gens ils disent, ah ouais, mais machin, t'as qu'à arrêter de regarder le foot. T'as arrêté de leur donner des sous. Toi, on est assis dans ton canapé, tu pars pas en vacances. C'est la télé qui part à ta place en vacances. Allez, je vous fais la bise. Ciao.